Bonjour YouTube, de retour sur Resident Evil 4 Remake. On continue notre petite aventure. Alors moi, de mon côté, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été chercher les 2-3 trésors qu'il y avait dans la cour et je suis allé au stand de tir. Voilà, histoire d'aller chercher, si possible, les rangs S. J'ai fait quoi? J'ai fait rang A, rang S, rang S. Il y a un rang, je n'arrive pas à l'avoir dans le stand de tir. Mais en tout cas, voilà, j'avais envie tout simplement de faire un petit peu de tir. Et ben voilà, c'est chose faite. J'ai fait un petit peu d'annexe comme prévu de mon côté. Il n'y a plus qu'à avancer. Donc là, il y a eu 2-3 loot ici. Il y a eu 2-3 petits dogos, hein, comme vous le voyez, qui sont venus m'embêter. Mais on leur a réglé leur compte. Hein. C'était une sorte un peu de labyrinthe. Donc moi, à la base, je voulais juste aller au stand de tir. Je me suis retrouvé embourbé dans une espèce de labyrinthe. Bon, ça a pris 2 minutes. Hein. C'était un truc tout petit. Mais en gros, voilà, c'est une sorte de petit labyrinthe avec 2-3 loots, 2-3 caisses. Et c'est tout. Donc normalement, tout a été récupéré et il n'y a plus qu'à continuer. Alors attendez, on est où? Là, voilà, c'est parti. Je pense qu'on est sur le... Oui, on est sur le bon chemin, nickel. Et donc là, on arrive sur une nouvelle partie du château. On va voir un peu ce que ça va nous réserver. Allez, c'est parti, on continue notre petite visite. Tiens, bah regardez, voilà. Il y a des trucs intéressants par-ci, par-là. Au niveau du gun, on est toujours sur le Punisher avec visée laser. Je vous avoue que ouais, j'ai hésité à le changer. Finalement, je ne l'ai pas changé. Et je me suis acheté un gilet pare-balles, comme vous le voyez aussi sur Léon. Petit gilet pare-balles. Tiens, il y a une quête là. Ces médaillons bleus sont une tare. Je veux qu'ils disparaissent. Montrons-leur que nous n'avons pas peur. Eh bien, écoutez, pas de problème. Donc, apparemment, il y a des... Ah, ah bah tiens, bah, regardez, c'est juste où je suis en plus. Hein. Donc, j'ai bien fait de prendre la quête. Tiens, regardez, il y en a un là. Bam! 6. Ok. Donc il y en a un dans cette salle aussi, visiblement. Juste au-dessus de ma tête, là. Hmm. Alors, je pense qu'il n'est pas accessible d'ici. On va essayer de monter les escaliers pour voir. On aura un petit peu plus de chance. Attendez, je vais juste regarder un petit peu, là, ce qu'il y a ici. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Ça me demande un carré dans la salle d'avant. Pareil. Et là, je pensais que c'était le stand de tir, mais en fait, pas du tout. Ici, il y a une espèce de petit wagon qui vous ramène au tout début. Et ça, c'est assez excellent pour le coup. Comme ça, si vous avez envie de revenir, par exemple, voilà. Là, il y a encore des trésors que je n'ai pas pu ouvrir. Eh bien, on pourra utiliser ce wagon pour y retourner. Donc ça, c'est plutôt, plutôt cool, plutôt appréciable. Donc, voyons voir. Alors, normalement, il n'y a rien ici. Hein. Toi, tu dégages l'odeur du combat, oui, oui. Là, c'était le stand de tir. Très bien. On va lui parler une fois vite fait. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Donc ouais, il a des nouvelles choses très intéressantes. Hein. Il a le Broken Butterfly qui est un magnum qui sur les boss, à mon avis, pourrait être plus qu'intéressant. Il y a le Stingray qui semble être une espèce de fusil d'assaut. Je n'ai pas les gold. Le Blacktail, ça a l'air d'être un gros gun. Je n'ai pas les gold. Et puis surtout, extension. Waouh! Extension. Deux mallettes. Bon, bah, il va falloir qu'on économise un peu. J'ai rien à vendre? Non, hein, j'ai rien du tout à vendre. Tout ça, il va nous falloir des bijoux. Quoique, regardez, j'ai 25 spinels. Est-ce que ça vaut pas le coup, genre, d'acheter, je sais pas moi, d'acheter un truc là. D'acheter un calice comme ça. Ça pourrait faire un peu de gold. Hein. Ou même ça, là, un masque élégant. Calice, masque élégant. Comme ça, on y fout un peu nos petites gemmes. Je me demande vraiment si ça peut valoir le coup ou pas du tout. Les spinels, j'ai tellement pas envie de les dépenser n'importe comment que du coup je les dépense jamais. Salut ma belle. Bah oui, pour l'instant ça se passe en Resident Evil, tranquillement, on n'est pas trop perdu, c'est quand même un peu... C'est plus linéaire je trouve que les anciens. Ah, ça c'est un fusil d'assaut. Un fusil à lunettes quoi. Et oui, compatible avec diverses... Ah ouais. J'ai plein de... Attends, est-ce que ça peut valoir le coup d'essayer de vendre le sniper qu'on a? Comment on fait pour vendre? Attendez, c'est là. Si je vends mon sniper... Les richesses que tu amasses te serviront à rien dans la tombe. Non, mais non, c'est le peupon, ça. Rien à voir. Là. Mais quoi qui me sert à rien, celui-là? Parce que, eh oui! Eh oui, les gars! Mais oui, je peux faire 96 000 balles! Parce que, si vous regardez, moi, j'utilise le fusil anti-émeute. Et le fusil anti-émeute semble être, en tout point, meilleur.
Donc à partir du moment où j'ai le fusil anti-émeute, est-ce que ça vaudrait pas le coup? Putain, mais j'arrive pas à retrouver le sniper. Peut-être parce que je l'ai sur moi. Ah, il est là. Aïe, ah, écoutez, j'ai le fusil anti-émeute qui est là, équipé. Moi, ce que je veux, c'est essayer de voir si je peux comparer cette arme avec... Attends, comment je peux faire, là? Fusil anti-émeute, carré. Je veux comparer le fusil anti-émeute avec celui-là. Je te conseille d'améliorer tes armes. Spec maximal. En haut, nous avons 12 contre 5 en bas. Non, non, mais il est meilleur en tout point. Il y a genre juste même pas photo, en fait. Hein. Je veux dire, la capacité, il a une balle de moins. Il est un tout petit peu moins précis. Mais non, non, mon pompe est largement meilleur. Bon, et bah écoutez, très bien. On n'a plus qu'à vendre celui-là. J'espère que je fais pas d'erreur. J'espère ne pas faire d'erreur. Voilà. Pourquoi il y a un petit symbole à côté? Je comprends pas. Ça veut dire peut-être qu'il est dans le coffre. Ok. Allez, c'est vendu. Merci. J'espère ne pas regretter. Et on va s'acheter le sniper. Je te le promets. Allez, vas-y, on l'achète, c'est bon. Votre inventaire est plein, on s'en fout. Tu le mets... Que tu comptes mettre ça dans ta poche? Mais tu te fous de ma gueule, par contre? Non, attends. Le jeu me troll, là. Mais tu me l'envoies dans le coffre, sois pas bête. Oh... On est dans la merde, les gars. On est dans la merde. Ah, annuler l'achat. C'est bon, j'ai eu peur. Tout va bien, on peut annuler l'achat. Tu vas me prendre quoi? Tu vas me prendre ça et tu vas me le déposer. Tu vas me faire un petit tri tranquillement et tu vas aller me chercher le sniper. Bienvenue. Est-ce qu'on est bon là? Ouais. Allez, Stingray. Cette boom. Arme peut faire exploser des têtes comme des pastèques. Ok, très bien. Tu vas faire un massacre. Est-ce qu'on peut améliorer juste au moins genre la puissance, tu vois? C'est un travail qui demande de la finesse, étranger. De petits ajustements peuvent... 10 balles, on s'en fout. Rechargement, on s'en fout. Cadence, on s'en fout pour l'instant. Pour l'instant, hein. Bien sûr qu'à terme, on voudra... Ah là là, c'est abusé parce qu'il y a tellement de choses que j'ai envie d'améliorer. On est en galère de thunes, en fait. Genre, vraiment, dans ce jeu, je vous jure, on est en galère de thunes. Y a-t-il quelque chose de... Genre, je déconne, zéro, c'est compliqué. Le gun, tu vois, même le Red 9 là, je suis sûr qu'il est trop puissant. Et moi, j'améliore d'autres armes, quoi. Tiens, c'est pas grave, au pire, le Punisher, on peut toujours le vendre. Voilà, là, je pense qu'on est pas mal du tout. Allez, on va pouvoir partir à l'aventure. Ici, tu vas me mettre ça un peu plus bas, c'est-à-dire là. Et là, fais voir un petit peu. Hein? Quelle arnaque. Remboursé? Ah oui, j'ai eu peur là. Oh putain, j'ai eu peur. Et je vous jure, on dirait un fusil d'assaut, putain. Terrible, on dirait un fusil d'assaut. Allez, c'est bon, c'est parti pour l'aventure. On peut enfin aller visiter ce château qui va bien. Ici, nous avons visiblement un truc bleu là. Il est où? Alors, voyons voir. Là, c'est bon, je t'ai vu. Bouge même pas, mon gars. Pew! 2 sur 6, let's go. Il y en a encore un là-bas, juste en face, là. Ouais, c'est bien ça. Mais ce qu'on va faire, quand même, c'est qu'on va faire le tour vite fait. On va regarder si jamais... Ah, bah voilà, tu vois. C'est ce genre de truc hein, qui n'est pas indiqué sur la map. Des petites munitions de pistolet. Je vous cache pas que je dis pas non. Je commence à être sacrément en galère de munitions. Donc, ça, on dit complètement oui. Et en plus, il y a un truc à casser. C'est le Goni. Ici nous avons... Oh! Attendez. Visiblement on peut avancer aussi de ce côté là. Je sais pas qu'on va y aller, hein. On va aller faire un petit tour. Oula. Oula. Visiblement on n'est pas seul. Si on ouvre ça, c'est quoi ça? C'est fermé. Formidable. Señor, c'est qui? C'est toi? Non! Non! Merde, it's a trap! Ça s'arrête jamais!
Oh salut. C'est qui l'a pris là? C'est toi? Attends mon gars. Attends. Reviens là tout de suite. Il a fait une petite esquive, il me tue de rire lui. Il fait un petit pas sur la droite comme ça, en mode olé. Je sais qu'il va me tirer dessus comme un sanglier là, donc... Oh là, par contre le fléau là, ça fait mal. Est-ce que tu peux la laisser tranquille s'il te plaît? Voilà, un petit coup de canif. C'est bon. Oh mais quoi? Mais tout ce monde. Mais je suis... Mais attendez, mais je vais crever. C'est une blague? What? C'était pas ma guerre. Ah, il me pousse en mode, qu'est-ce qu'il y a toi? Qu'est-ce que tu veux? Vas-y, attends. Attends, vas-y, embarque là, comme un sac à patates. Regarde ce que tu vas prendre dans l'épaule. Hein? Avoue que ça fait pas que du bien. Bah. Ah ouais, non, mais ce jeu, quand il t'envoie les gens... Désolé, j'ai glissé. Qu'est-ce qu'il raconte? Désolé, chef. Oui, bah écoute, très bien. Voilà, il est juste ici. Parfait. Salut, Nia, ça va et toi? Hop, bam. Voilà, plutôt pas mal. Bon, on s'est bien fait avoir. Maintenant, comment on va faire pour remonter? Elle est là, la question. C'est bon, ils sont tous morts. Allez, de la ferraille. Du loot. Ça, par contre, si on peut avoir un peu de loot, je vous cache pas que je ne cracherai évidemment pas du tout dessus. Pour la simple et bonne raison qu'encore une fois, les munitions... JPP, quoi. Le jeu, en fait, je pense qu'il s'auto-régule, tu vois, c'est-à-dire que... Alors, je ne suis pas un spécialiste hein, de ce jeu, j'en sais rien, mais j'ai vraiment l'impression que le jeu s'auto-régule de telle manière à toujours faire en sorte que tu sois un peu en dèche de munitions. C'est-à-dire, si tu économises, tu as beaucoup de munitions, le jeu, il ne va pas t'en donner dans les loots. Donc automatiquement, il y a un moment donné, tu vas finir par être en dèche, et là, il va être sympa, il va t'en redonner petit à petit. Et si tu dépenses tout... Eh ben le jeu est sympa et pareil, il t'en donne petit à petit. Donc j'ai vraiment l'impression que les loots sont indexés sur notre stock. Ce qui fait qu'on n'est jamais en surstock en fait de munitions. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est plutôt intelligent je trouve. Comme ça, ça nous laisse toujours cette sensation de attention les munitions. Mais d'un autre côté, je vous cache pas que j'ai extrêmement hâte de finir le jeu une première fois. Et de faire en sorte de commencer à valider certains hauts faits, certains prérequis et tout. Pour avoir notamment, pas forcément des munitions illimitées, pas forcément des lance-roquettes illimitées et tout. Où là, ça réduit la difficulté du jeu à zéro. Mais plus, genre le couteau illimité. Ça, c'est une dingue. C'est pour ça qu'actuellement, je suis en train de garder un œil sur tous les petits châtelains là. Il me les faut tous parce que, franchement, normalement, c'est ça. Normalement, c'est 1000 PC plus... tous les châtelains du jeu. Et du coup, on essaye de tous les avoir. J'espère ne pas en avoir loupé pour l'instant. Mais là, ce serait bien que j'arrive à garder un œil là-dessus, au moins via une page internet, un guide ou quoi, de telle manière à... Bah, juste à ne pas les louper. Parce que il faut pas les louper. Il faut surtout pas les louper. Moi, j'ai besoin d'avoir le couteau. Il adapterait la valeur des loots selon ton pognon à l'instant T. Ah ouais, non, mais ça, je peux pas te le confirmer, j'en sais rien. Mais moi, c'est la sensation que j'ai. Parce que comme par hasard, dès que t'as plus de munitions, il y a plein de caisses dans le jeu, elles commencent toutes à te donner des munitions, etc, tu vois. Voilà. Alors que quand t'es full munitions... Oh non, fais chier, c'est le Red Nine qui a pris toutes les munitions. Moi, je voulais les dépenser, justement. Je voulais pas... Merde. Et donc, ouais, j'ai vraiment cette impression-là, en tout cas, perso. Qu'est-ce qui se passe, là? On a ressorti l'escalier. Je veux juste voir s'il y a des loots avant de continuer. Donc, non, il y a juste eu ce coffre. Eh bien, écoutez, je pense qu'on peut reprendre un petit peu de hauteur. De telle manière à... C'est là l'escalier, je crois. Ok, c'est là. Et ouais. Non, mais tu peux avoir des munitions illimitées, mais encore une fois, il faut finir le jeu, certains prérequis et tout. C'est pas facile non plus, hein. C'est pas tu lances le jeu, t'as full munitions, hein. Non. La tête de bouc. Je sais pas quoi ça va me servir. La bonne nouvelle, en tout cas, dans ce jeu, je trouve,
ça c'est une question de goût, de préférence. Mais moi ce que je trouve en fait qui est plaisant, c'est que tu as une... Oh putain. C'est que tu as une vraie mallette. Et les objets clés ne vont pas dans ta mallette. Et ça j'ai envie de vous dire alléluia. Qui a fait ce bruit là? Ouais, nickel. C'est Léon? Léon! C'est pas clair hein. Allez, on continue, c'est quoi la suite? Je suis venu complètement au pif ici, hein, juste pour visiter. Oh! Non, je suis vraiment désolé de jeu vidéo, mais ça, je peux pas laisser passer ça. En fait, quand t'es dans une salle, faut vraiment, vraiment regarder toujours la map, hein, pour être sûr de ne rien manquer. Parce que, voilà, hein, des munitions pour le peupon, autant vous dire que... Voilà, tu vois? Voilà, Nia, c'est à cause de toi, ça. J'ai toujours dit peupon, pour le fusil à pompe. Maintenant que je dis ça... c'est pas clair, tu vois. Alors que, à la base, loin de moi cette idée, et je parlais vraiment que de fusil à pompe. Sacré toi, va. C'est bon? C'est tout? Bon, c'est tout. Et ben, y a plus qu'à se barrer, alors, hein. Ici, y a quoi? Là. Hey, oula. Tu veux pas une armure? J'ai des pare-balles. Attends. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper là. Voilà. Dommage. On va recharger un petit peu le gun. Est-ce qu'on n'a pas la petite... Si, on l'a. Hein. On va mettre ça en raccourci, juste au-dessus. À tout moment, il va se passer des gigadingues. Hein. Il est où le pompe? C'est bon, il est là? Nickel. Alors, c'est quoi ça? Poudre noire. Tellement stylées les armures. Elles sont classiques, hein. Mais elles sont stylées. Pew. D'union peau. Oh non. Fabriqué. Voilà. On va commencer à se faire une petite... Bah ça, tu peux le prendre et le mettre là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose avec ça. De telle manière à ce que... Bah voilà, parfait, quoi. Là, il y a encore peut-être un truc à visiter. Une petite clé. Oh, ça fait plaisir. Ça, les gars. Ils me font peur, ces armures-là. Ça me fait sacrément plaisir. Il y a la tête de lion, là. On va descendre. Il va y avoir 150 000 mobs qui vont nous tomber sur la gueule. Autant vous dire que c'est déjà cramé. C'est quoi, ça? C'est juste une lampe. Ok. Il se passe rien, là. On ouvre la map, on check, il y a un médaillon bleu, voilà, c'était sûr. Il est où? Attendez. Peut-être en bas, plutôt. Waouh! On va se faire niquer. Reste là-haut! D'accord, sois prudent! Ouais, reste bien là-haut, Ashley. Hein. Mais genre, vraiment, on déconne zéro, là. Reste bien là-haut, parce que... À tout moment... Attends, arrête de bouger, s'il te plaît, Léon. Merci. Je vous jure, Léon, des fois, il a des vieux spasmes au dernier moment. Tu te retrouves comme un con. Donnez les munitions. Donnez, parce que... Là, je vous jure, on va en avoir besoin, j'en suis sûr. Il va y avoir exactement la même dingue, ce qui va se passer. C'est-à-dire, on va activer la tête et... Il est là! Comment il dit déjà le jeu? Aliesta! Ali Esta. Bon, ça commence à devenir compliqué ce qui se passe là. Comment on fait là? Fabriquer munitions de fusil. Sniper. Ok, good. Non. Je veux créer des munitions exprès pour faire de la place. Et là, il y en a une de trop. On va pas tirer, on va pas la gaspiller. Munitions de pompe. Voilà, nickel. Ça me plaît ça. Ça me plaît beaucoup. Attends. J'ai quoi sur ma mallette comme porte-bonheur? Je me rappelle plus. Putain, j'espère que j'ai bien les bons porte-bonheur qui font que... Ok. Là, normalement, je devrais pouvoir prendre la ferraille sans problème. Ainsi que l'agreux. Je vais voir, elle est où? Elle est là. Ok. Pistolet, il est là. Fusil d'assaut, on va le charger. 75 de munitions. Tu vois, j'utilise un peu ce Uzi. J'aurais dû prendre l'espèce de crosse, là.
Allez, c'est parti. La tête de lion. The lion's head. Ben oui, ben bien sûr, les armures. C'est quoi cette connerie? C'est une blague? Attends. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, et après, pourquoi tu me dis ça? Ok. T'as les vieilles armures de mort. Qu'est-ce qui se passe? Il y en a d'autres? Bien sûr qu'il y en a d'autres. Spinel. Voilà. Avec ton casque. Et là, huch. Merci Ashley qui sert à quelque chose. Putain, c'est tellement beau quoi. Quand elle sert à quelque chose. Oh là là. Là, il y a une vraie coopération. Là, il se passe un truc qui est super cool. C'est qu'elle sert à quelque chose, putain. Depuis le début du jeu, c'était plus un poids qu'autre chose. Là, au moins, elle me carie de fou, quoi. Cache-toi, espèce de ta drôle de merde. Non, vite. Voilà, nickel. Oh, Shadow. En vrai, ça va. Il nous les envoie une par une. Non, mais reste en haut. C'est de la camelote, ces chevaliers. Ouais, c'est de la camelote, ouais. On a claqué je sais pas combien de munitions. On est dans la merde. Vas-y, on recharge. Attends, s'il te plaît, deux petites secondes. Je recharge tout ce que je peux recharger. Je vais en avoir besoin. Oui, attends, deux secondes. Et là, il faudra qu'on soit deux. Attends, deux secondes, s'il te plaît. Voilà, tu vois, il y a encore des munitions. Léo. Elle va pas arrêter. Hein. Elle ne va pas arrêter. Il y a encore des munitions. J'ai quasiment terminé. Voilà, je suis bientôt à toi. C'est bon, Léo. Voilà. C'est bon, allez, saute. Ah, maintenant, elle a la confiance. Elle se jette à l'arrache, tu vois. Avant, elle était en galère, elle osait pas. Non, merci du coup de main. Ah là 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 là. Salut Nakeran. Ah non mais quand elle... Et tu sais que là, elle est infiniment moins relou que le jeu de base apparemment. Le jeu de base, de ce que j'ai compris, elle était toujours en train de se plaindre. Léon. Mais genre vraiment de fou, tu vois. Donc je me rends pas bien compte de la différence, mais... Là, en vrai, ça va. C'est-à-dire que d'habitude, quand t'entends les gens qui ont fait le jeu de base, quand tu les entends se plaindre du jeu de base, là, franchement, ce que je vois ici... Oh, ça, on sait à quoi ça sert. Quand je vois ce jeu, bah ça va, elle est pas si relou que ça. Donc, je pense qu'ils ont fait en sorte qu'elle soit moins relou. Il y a des moments où elle était super chiante, hein, comme la phase avec le sniper et tout. C'était un peu relou, quoi. Mais sinon, à part ça, en vrai, ils ok, tu vois. Alors, j'ai peut-être laissé un truc. Oui, j'ai laissé un truc. On va vite fait aller chercher le petit truc bleu, là. Il est où? Par contre, je sais pas du tout... Ah non, mais pas du tout, il est en bas. Rien à voir. Il y a juste un trésor, là. Attends, mais ça veut dire que j'ai laissé un trésor quelque part? Je sais pas comment ça va se passer, en tout cas, pour ce Resident Evil. On est sur le jeu toute l'après-midi, d'accord? Ça, il n'y a pas de doute. Donc, on est là pendant encore un bon plus de 4 heures. Ça va nous permettre de bien avancer. La question, c'est... Est-ce qu'on se rapprochera de la fin? Est-ce qu'il restera que un jour de stream dessus? Ou est-ce qu'il restera deux jours de stream dessus? Ça, j'en sais rien du tout. Et la question, c'est est-ce qu'on stream demain ou pas, quoi? Est-ce qu'on stream demain pour finir Resident Evil? Et comme ça, samedi, dimanche, on est sur WoW. Et je me prends mon day off plutôt lundi ou mardi. Ou est-ce que je stream pas demain et on finit Resident Evil samedi? Et puis dimanche, lundi, mardi, on fait du WoW, tu vois? C'est la question que je me pose. Je sais pas encore exactement. Attends, c'est par là, là. Mais où? Ah, là! Putain, je vous jure. Petit jeton d'argent. Voilà, good. Good. Bon,
Alors là, il y a une échelle. Ce sera pour plus tard, j'imagine. Ici, il y aura une tête, deux têtes à mettre. Est-ce que vous savez comment ça s'appelle, ces créatures incroyables avec une tête de lion et une tête de bouc. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, d'accord, donc faut faire en sorte de... Ok, c'est bon, c'est capté. C'est capté. Voilà, ce genre de truc, quoi. Let's go, my boy. Et là, on est content puisqu'on vient de faire du Nyonpo. Ouais, complètement. Là, pour le coup, c'est de la qualité. Je suis bien content. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit tour de petit wagon. Je sais pas comment on peut appeler ça. Puisque à l'entrée, justement, de ce château, il y avait la même chose. Il y avait la même machine avec cette espèce de cube qu'on pouvait insérer. Sauf que je ne l'avais pas. Maintenant que je l'ai, autant vous dire qu'on va aller chercher la récompense. Maintenant, parce que la logique voudrait qu'il y ait des choses très intéressantes. Attends, mais c'est où? C'est là. Ok, good. Alors, voyons voir. Elle était où, cette machine? Ah bah tiens, regardez. On a une petite clé. Parfait. Le jeu qui régale tellement. Avec une petite barre d'or, c'est 10 000 gold. Voilà, donc ça fait plaisir. Et là, avec un peu de chance, si on arrive à mettre le cube... Le cube ? Non. Si ! Mais quel crack, les gars, mais quel crack. Statue de Justicia. Bon, et ben let's go, c'est plutôt très plaisant tout ça. Alors normalement, il y a un marchand, c'est bon, je viens de le voir. Il n'y a rien du tout par là qu'on a pu laisser. Non, on n'est qu'à 20 trésors sur 41, donc on est à peine à la moitié. Ici. Attends. Deux petites secondes. Ici, on va pouvoir sertir... Non. On va pas pouvoir sertir de manière efficace. Peut-être. Attendez. Si je mets 3 rouges, 1.4. Hein, alors que si je mets une de chaque, c'est seulement 1.3. Donc je vais même vous dire un truc. Les 3 rouges, c'est même plus rentable. Attendez, est-ce que j'ai pas un autre trésor? Non. Bon, écoutez, je sais pas si c'est intelligent de ma part de faire ça, mais je me dis que j'ai 3 rubis, donc à tout moment, ça peut quand même être intéressant. Ok, let's go, je vais te vendre ça, je vais te vendre la statue à 12 000, je vais te vendre la lampe à 21 000, et on se retrouve avec un petit 49 000. Extension de mallette, c'est quoi? Allez, on prend. Assez pour répondre à tes besoins. Réfléchissons, on va réparer peut-être un petit peu ça. On va voir pour améliorer le gun, on peut pas. On va voir pour améliorer peut-être le sniper, non plus. Le pompe, non plus. Un couteau a besoin qu'on s'en occupe. Ah, je sais pas, le couteau peut-être. Ne tient parfois qu'à une lame bien aiguisée. Non, il est tout neuf. Il est tout neuf. Bon, écoutez, on va peut-être s'acheter la formule, justement, de munitions Magnum. Voilà. À tout moment, on peut en avoir besoin. Bon, écoutez, ça me semble pas mal du tout. Donc, ce qu'on va... Oh putain, attendez, fais voir la mallette. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est bon, ça va. Là, non, j'ai beaucoup trop de munitions, beaucoup trop d'armes sur moi. Ça va pas du tout pour le coup. Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va aller y mettre ça... et puis on va mettre le spray. On a pas mal de petites herbes là. Voilà, c'est déjà pas mal comme ça. Allez, let's go, on va pouvoir continuer notre petite aventure. Mais avant de la continuer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre le Poudlard Express. On va retourner du côté du marchand, mais de l'autre côté là-bas. Et ce qu'on va faire également, c'est qu'on va vite fait descendre pour claquer nos 3 jetons d'argent. Puisque là, je viens d'avoir un jeton supplémentaire. Ce qui fait qu'avec 3 jetons d'argent, je devrais avoir un nouveau porte-bonheur. J'aime beaucoup cette idée des porte-bonheur. Je trouve ça assez excellent, en vrai. Parce que, voilà, ça te donne tout un tas de petits bonus. Maintenant, malheureusement, il y a ce petit côté gacha qui fait que si tu as de la chance, tu vas avoir tes 3 bonus trop bien, des 3 armes que tu utilises. Voilà, et puis si tu n'as pas de chance, ça va être de la merde. Donc, c'est comme ça. On ne peut pas tout avoir. Mais pour l'instant, moi, j'en ai qui sont pas dégueux. Donc voilà, ouais. On va pas se plaindre. Attendez, c'est où? C'est juste ici. Hop là, allez, on descend. Pourquoi on peut pas descendre? Ah, parce qu'elle était pas... Ok. Elle était pas dans l'ascenseur.
Très bien. Bon, le truc des munitions là, le truc, enfin le jeu de tir là, c'est un bordel, hein. C'est quand même pas facile à la manette, hein. Je vous jure, c'est pas facile. Mais j'ai quand même fait S, 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 S. Ah non, mais non, qu'est-ce que je raconte? J'ai tout fait en S. Ok, let's go. Bon, j'ai pas fait 100% des cibles en métal et tout, mais j'ai quand même tout fait en S. J'avais, je sais pas, j'avais zappé. Je croyais que j'avais fait un truc en A. Donc voilà, je me suis un petit peu buté à ça hier. Bah en fait, si vous voulez, c'est plus l'envie de jouer, de continuer à jouer à Resident Evil alors que je suis pas en live. Et j'ai quand même envie d'y jouer un peu, donc ce que je fais, c'est que j'essaye de revenir un petit peu en arrière. J'essaye de voir si j'ai loupé des cadeaux, je fais un peu de stand de tir. Voilà, j'ai joué juste un petit 2 heures. Donc en fait, le truc, c'est que mes heures de jeu voudront absolument rien dire. Parce que ça se trouve, on va finir le jeu, on sera à 21 heures de jeu. Alors qu'en réalité, on aurait dû finir le jeu en 15-16 heures par exemple. Mais étant donné que je flâne un petit peu en off, ça rajoute des heures de jeu. Là, on a eu Don Manuel. Et qu'est-ce qu'il nous donne? Fréquence de bonus de création de munitions de mitraillettes. Voilà, donc en fait, les porte-clés, ça marche comme ça. Quand on joue justement au stand de tir ou qu'on loot des jetons, eh bien, on vient les mettre ici. 3 jetons d'argent, ça vous donne un petit porte-bonheur qui est sympa, mais sans plus. Et 3 jetons d'or, ça vous donne un porte-bonheur qui est censé être plus rare, qui est censé être complètement énervé. Et donc, ça vous donne, voilà, moult bonus. Moi, je vais vous montrer un petit peu les miens. Je vais vous montrer ce que je possède et ce que j'ai activé. Parce que tu peux en activer que 3 maximum, visiblement. Mallette, voilà. Donc, en fait, là, il y a tous mes porte-bonheurs. Moi, j'ai activé quantité de poudre noire utilisée, moins 1. À chaque fois que j'utilise, eh bien, le craft pour me faire des munitions, ça me prend une poudre noire en moins. Donc ça a l'air trop bien. Fréquence de bonus de création de munitions de pistolet, plus 20%. Moi, j'ai l'impression que quand je crafte des munitions, ça m'en donne 20% de plus. C'est comme ça que je le comprends. Mais ce qui m'embête, c'est le fréquence du bonus de création. Est-ce que ça veut dire que j'ai 20% de chance d'avoir un proc et des munitions en plus? Ou est-ce que ça veut dire que je fais 20% de munitions en plus? Ça, j'ai pas compris. Et après, j'ai mis pareil pour la mitraillette. Bien que la mitraillette, je pense que je peux l'enlever. Vie restaurée par les œufs, 100%. Là, on a quoi? Prix de revente des armes? Non, les gars. J'ai revendu... Non, je me déteste tellement. J'ai revendu mon arme et j'ai même pas activé le porte-bonheur. J'aurais pu faire 20% en plus. Oh, ça dégue. Bon, bah tant pis pour moi. C'est pas très grave en vérité, hein. C'est pas très très grave. On va s'en remettre, salut Darak. On va complètement s'en remettre. Bon, et bah écoutez, il y a plus qu'à continuer, hein. Putain, mon perso, ça devient un vrai CRS, là. Avec son espèce de pare-balles et tout, là. C'est un délire. Bon, allez. On continue par ici, on fait vite fait le tour. Là, on constate qu'il y a un relief et ça nous dit... Ah, 3 têtes. Donc ça veut dire qu'il me manque la tête de serpent. Oh, petite quête annexe. Des rats ont infesté une partie du château et rongent des livres inestimables. Mais ces hérétiques s'en fichent complètement. Que quelqu'un nous débarrasse de cette vermine avant qu'il ne soit trop tard. Et là, c'est grand hall ainsi que bibliothèque. Et moi, j'en ai déjà eu un. J'en ai déjà eu un. La question, c'est où sont les autres? Ah! Je suis désolé, mon petit gars. Hein. Vraiment, c'est le jeu. Hein. Après, bon... Je pense qu'ils sont vecteurs de maladies, tout ça, donc... on va dire ça comme ça. Mais effectivement, il faut qu'on débarrasse tous les rats. Il nous en manque un. Oh, c'est quoi ça? Oh putain, la salle est magnifique, hein. Et donc là, ça va me permettre de choper la tête. Ok. Voyons voir. D'accord. Ah, une salle à manger. Ordre, c'est-à-dire. Manger ici? Non, merci. Bon, enfin, en même temps, c'est mieux que rien, parce que là, je sais pas si vous êtes au courant. J'allais dire, ça fait 2 semaines que vous avez pas mangé dans votre aventure. Mais en fait, nous, l'aventure qu'on est en train de vivre. En vérité, elle s'étale sur à peine quelques heures. Hein. J'ai pu revenir en arrière complètement, ouais. Et du coup, j'ai pu aller chercher tous les trucs qui manquaient, donc top. Ah, j'ai capté ce que le jeu attend de nous. Il y a des cadres.
et il va falloir reproduire la scène. Ça veut dire ici, la nana, il lui faut... Il va falloir la mettre sur un truc où il y a tout ce que vous avez à l'écran. Je suis pas toujours aussi bien accompagné. Écoute-le ! Écoute-le, ce charreau ! Prends-le comme tu veux. Ah ouais, non mais Léon, on est déjà sur Ada Waifu. Respecte-toi. Putain. Ça y est, drague Ashley. Je sais pas quel âge elle a dans le jeu, mais... Calme-toi. Ouais, on a déjà notre waifu. Alors, qu'est-ce qu'il faut ici ? Ici, il faut 2 couteaux, fourchette, cuillère, verre, assiette vide. Oh, mais comment je vais retenir ça, moi ? 2 couteaux, là, il y a du pain, c'est pas bon. Ici, là, par exemple. Non, il y a 3 couteaux, là. Là, il y a du pain. Du pain. Voilà, ça me semble bien, ça. 2 couteaux, fourchette, cuillère. Ok, c'est bon, c'est là. Non, pas toi. Lève-toi, bon sang. Ordre. Ashley. Voilà, c'est bon, on a trouvé pour Ashley. Et moi, il y a quoi d'autre là-bas? Il y a une espèce de pichet, là. Il y a 3 couteaux. Il y a du pain. Voilà, là, par exemple. Vas-y, on va tester ça au pif. Non ? Il se passe rien. On tente, hein, des fois. Hein. Vite fait, celui-là, regardez, c'est la même chose. Il y a du pain, il y a tout ce que tu veux. Avec un peu de bol, ça va le faire. Sinon, on va falloir... Ah, voilà. Léon ! Je crois qu'on a trouvé. Bien sûr qu'on a trouvé. T'as cru quoi ? Là, il y a un truc bleu. Où est-ce que tu te caches, mon gars ? Là ! Oh non, le rideau pare-balles, quoi. Ça, je trouve que c'est mal fait. Des fois, il y a des barreaux. Tu tires à travers les barreaux. Les barreaux, en fait, ils ont une hitbox 4 fois plus grande que des barreaux normaux. Que ce qu'ils te montrent, en tout cas physiquement. Et puis des fois, voilà, t'as des rideaux pare-balles. Tu peux pas tirer genre à travers. Non. Le jeu te dit non. Allez, zébardi, les gars. Let's go. Vraiment, il n'y a pas d'autre loot pour moi, là. Vraiment, les gars. Attendez. Par contre, moi, je suis persuadé d'avoir loupé un petit rat, quelque part. Ce qui serait bien, c'est de valider le rat aussi, par la même occasion. Parce que si on ouvre un passage et qu'on se casse littéralement, on n'aura plus forcément l'occasion de revenir par ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de se le gérer, ce petit rat. Où te caches-tu, mon gars ? Peut-être dans l'arène en bas. On fait le tour vite fait. Non, pas là. Vas-y, on descend. Ici peut-être. Léo. Non, mais ferme-la. Attends, c'est quoi ces bruits là? Oh, je croyais qu'il y avait encore une armure. Alors, toi, tu vas pouvoir crier autant que tu veux. Jamais je viens te chercher. Hein. Donc, crie autant que tu veux. Bon. Me laisse pas. Mais on l'a semé, alors. Tout va bien. Génial. N'oublie pas qu'arme à feu rime avec... Mais non, elle est déjà là. Putain, quelle arnaque. Remboursé. Ah là 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 là. Salut Gimol, le chat. Miaou. 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 Bon, il est où le rat là par contre? C'est une blague? Ça me dit qu'il y a 3 rats. On en a eu 2. On en a eu 2. Alors. Pas trouvé, moi. Ah, toi, c'est pareil, t'as bloqué 2 sur 3. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'on fait? On abandonne? Oh non, hein. On a fait toutes les quêtes annexes jusqu'à présent. Ce serait quand même ballot. Il a dit grand hall et bibliothèque. Il a dit grand hall. Je vais voir un petit peu. Alors, Plop, dis-moi, c'est exactement le même jeu que je suis sur PS2. Non, il y a des différences.
Il y a complètement des différences, donc je ne sais pas à quel point tu connais le jeu de base, mais il y a complètement des différences. Donc franchement, à mon avis, tu peux te laisser tenter. Après, est-ce qu'il y a des différences de fou ? Non, hein. On va pas se mentir. Le principal de la quête reste le même, de l'histoire, etc. Mais ouais, il y a des petites diffs. Donc déjà, le jeu est beaucoup plus beau. Hein, comme tu peux le constater, ça c'est normal, c'est logique. Mais en plus d'être beaucoup plus beau, ce qu'il faut savoir, c'est que ça change aussi un petit peu au niveau de l'histoire, quoi. Il y a plein de gens des fois qui disent tiens, ça n'était pas dans le jeu de base. Donc à mon avis, ils ont ajouté des trucs, ils en ont peut-être enlevé d'autres. Donc si t'as envie de revivre l'histoire, en tout cas ce jeu il se vend comme c'est pas permis. Hein. Il a fait 3 millions de ventes en 2 jours. Enfin, je savais que les RE c'était populaire. Hein. Je pensais pas à ce point. Hein. Je vous le dis clairement, je pensais pas du tout que c'était populaire à ce point. Donc là, c'est extrêmement populaire. Hein, parce que putain, comment il se vend de fou ce jeu. C'est une dingue. Hein. Bah, tu vois, voilà. Si tu dis que t'as tellement aimé le jeu, pour moi, tu devrais y aller les yeux fermés. Hein. Ce jeu, en fait, ce RE, ça a l'air d'être vraiment le plus populaire des RE. Et ce remake, même s'il n'est pas parfait, ce que je veux dire, c'est qu'il te permet, pour les nouveaux joueurs, de découvrir ce jeu qui est emblématique. Et pour les anciens joueurs, ça permet de le redécouvrir sous un autre spectre. Donc pour moi, c'est vraiment top pour tout le monde, tu vois. Donc ouais. On va le trouver, hein, je vous le dis direct. On va complètement le trouver. On va clairement pas le lâcher, ce petit rat. Ça, c'est pas possible. On en a trouvé un où déjà, je me rappelle même plus, putain. Je sais même plus où est-ce qu'on en a trouvé des rats. Ah, il abuse tellement. Il y en avait un dans un couloir. Il y en avait un là-bas, je crois. Je crois qu'il y en avait un là. Tiens, bah voilà, il est là. Donc celui-là, il est géré. Ok. Celui-là, il n'y a pas de problème, il est complètement géré. Je me souviens de certaines scènes. La première fois que tu tombes sur un régénérador. C'est quoi ça? Un régénérador. Je t'avoue que moi, je connais pas les noms des mobs, hein. Dans le jeu, ils me donnent pas les noms des mobs. Donc, je sais pas où tu les vois. Un régénérador. Ah, mais après, si je l'ai pas croisé, c'est encore autre chose. Hein. Effectivement. Hein. Je pensais que tu parlais d'un vieux truc, quoi. J'ai déjà fait depuis longtemps. Ici, il y en avait un, je crois. Non, pas du tout. Attends. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? C'est ça, moi, la question que je pose. Là, il me semble que dans le couloir, il y en avait un, là. Non? Il n'y a pas sa carcasse? Il me semblait qu'il se baladait, là, et qu'on l'avait tué. Il me semblait qu'on en avait tué un, mais pourquoi il n'y a pas sa carcasse? Allez, on va dire qu'il a peut-être des pops. Je sais pas, il y en a un, je suis persuadé d'en avoir tué un dans le couloir. J'aurais bien aimé juste m'en assurer. Donc ça veut dire on en a tué un là. On en a tué un, je sais plus où là. Ou au-dessus peut-être. Je sais plus exactement. Peut-être c'est au-dessus, ouais. Bon, bah écoutez, Osef, hein. Vas-y, on va tracer, hein, et puis tant pis, hein, parce que là, je vous cache pas que... On n'a pas regardé sa salle, à lui. Il n'y a pas de mal à se faire plaisir. Parce qu'il y a un petit rat, là, qui se balade. Salut, étranger. Bon. Tant pis.
Ça me fait chier parce que pour l'instant, j'ai fait quasiment toutes les quêtes annexes, tu vois. Je les ai quasiment toutes faites. Allez, vas-y, c'est pas grave, on trace. Salut, Cassoulet. Moi qui ai fait que le 2 et le 7, je suis bien content d'avoir tous ces remakes. Ah, mais moi, c'est ça qui m'a permis de les redécouvrir, hein. Moi, j'avais fait que le 1, 2, 3, le début du 4 et j'avais fait le 5 aussi. Bah là, du coup, je découvre le 4. Donc, on s'est refait le 1, 2, 3 plus le 4 remake. Donc, au final, génial. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que... Ah, en plus, ça me dit où je dois mettre les têtes. Donc, c'est lion, serpent, bouc. Lion, serpent, bouc. Lion. Ah non, ça les met automatiquement. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que voilà, comme je vous le dis, ça me permet de tous les redécouvrir et peut-être même que je vais me motiver à faire le 5, 6, 7, 8, tous quoi. Oh non ! Léo, derrière toi ! Recule ! Arrête ! Et vas-y ! Va-t'en ! Allez ! Attends. On n'a même pas besoin de se défarcir, c'est une cinématique. Genre. Oui, c'est vrai. Mais le 5, je l'ai fait à 2 hein, à l'époque. Oh non ! Attends, je comprends pas. On va jouer Ashley ? MDR, allez. Ça, je m'y attendais pas du tout pour le coup. Oh, quel enfer. On n'a pas d'armes, on n'a rien. Il faut que je m'éclaire. Oh non ! Oh non, ça y est, on est dans Project Zero, là. Éclair devant. Ok. Bon, et bah écoutez, ma foi, on est parti pour une nouvelle séquence, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc oui, le 5, je l'avais fait à 2. Là, je sais pas, on verra. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est vrai que le 5, 6, c'est pas non plus les plus grands chefs-d'œuvre de Capcom. Mais je pense qu'ils valent quand même le coup d'être faits. Des trucs à ramasser, là, ou pas du tout? Je sais pas. Donc ouais, mais après, moi, tu sais, j'aime beaucoup tirer sur des zombies comme ça, dans tous les sens. Donc, moi, je sais que le 5 et le 6 me dérangent moins que les vrais fans de Resident Evil de la première heure qui, eux, veulent un gros aspect. Oh, il est là, le rat! Oh non, il est là! Il est complètement là, les gars! C'est bon, je l'ai trouvé. Et là, je peux même pas le taper, quoi. Oui, c'est ça, c'est peut-être pas un bon héros, mais ça reste agréable à faire à deux, je suis d'accord. Putain, on a trouvé le rat, quoi. Une horloge ? Oula. Petite énigme, à mon avis. Bouger, d'accord. Attends, là, il y a l'heure, là. Ouais. Mets un coup de coude. Bon, je pense qu'on reviendra ici avec Léon. Allez, chemin vers le mausolée caché. Les ancêtres qui reposent ici répondent à une heure choisie. Si tu cherches la protection divine, fais preuve de courage et ne crains pas les ténèbres. Les ancêtres qui reposent ici répondent à une heure choisie. Ok, donc il doit y avoir ça, à mon avis, sur des cadres, peut-être. Pas du tout. Pas du tout. Le 6, je l'ai fait en full coop avec mon frère, on s'est marré. Bah tu vois, c'est ça. Hein. Tout seul, tu te serais peut-être fait chier. Mais là, du coup, tu t'es marré. Attends, il y a un indice là, c'est sûr. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que elle est orientée vers une heure en particulier? Ou est-ce que c'est l'espèce de truc noir derrière elle?
qui pointe, on sait pas vers quoi, vers 10h là. Ouais. Là ils sont deux. Oh non. Elle, elle pointe vers en bas, vers 7h. Ça se trouve, je vais chercher beaucoup trop loin. Mais qu'est-ce que j'en sais, moi ? Oh ! Lui pointe vers 3h. Bah alors, qu'est-ce qu'on fait ? 7h, 3h, on sait pas. Attends, mais c'était juste pour un cadeau ? C'est pas la suite du jeu ? Ouh là là là, tu sens la séquence de merde où tu vas te faire courser et tu pourras faire qu'une chose, c'est t'enfuir. Bon, on va retourner, je pense, vers les anciens parce que, à mon avis, il y a une récompense intéressante à aller chercher. Non ! Récupère ça, meuf, je te dis tout de suite. Tu récupères ça. Et tu vas me chercher. Non, c'est pas sa tenue normale. Mais c'est pas sa tenue custom non plus, c'est la tenue du RE8. RE Remake, quoi. C'est fermé. Mais salut Garrick. C'est juste RE Remake hein, qui fait qu'elle a cette tenue maintenant. De ce que j'ai compris, alors je sais pas quelle est la tenue du jeu de base, mais de ce que j'ai compris, dans le jeu de base, elle avait une jupe. Et notamment quand tu essayais de regarder sous sa jupe, elle te faisait tout un tas de réflexion, des trucs comme ça, etc. Et donc, à mon avis, ils ont jugé pas intéressant de remettre ça en 2023 avec tous les problèmes que ça peut procurer. Donc, c'est pour ça, maintenant, ils lui ont mis une espèce de short. Une espèce de jupe short. Un skort. Je sais pas comment ça s'appelle déjà exactement, mais... Ouais, c'est ça, tu te faisais engueuler, ouais. Donc là, il y a 3 et il y a 7 pour moi. Ici, il y a 3, ici, il y a 7. C'est Kainé ? C'est pas justement Toubi ou je sais plus comment elle s'appelle là dans Automata ? Non, je sais plus. Attends, y a pas un trophée dans Automata ? Je sais plus comment elle s'appelle dans Automata. Je crois que c'est Toubi, mais je suis pas sûr. Ouais, c'est ça, c'est Toubi. Allez, on va essayer 3-7. Ah ouais, non mais d'accord, le truc trop chiant là. Trois, sept. Et là, j'essaye 7-3 et si ça marche pas, nique. Eh ben, ça marche pas. Mais c'est en fait, là, regarde. Là, il y a quoi, là? C'est quoi la grande aiguille, là? Je comprends pas. La petite, c'est 11h moins 10. Vas-y, on va tenter 11h moins 10. Je comprends pas la grande aiguille où il me l'emmène, là. Non, le jeu, respecte-moi. Écoutez. Non ? Non ? Oh le jeu, comment t'abuses ? Je pensais qu'on allait la trouver au pif total là. Attendez, on va réfléchir 2 secondes. Est-ce que... Moi la question que je vous pose c'est est-ce que je peux avoir la réponse tout de suite ou pas ? Ou est-ce que en fait je peux pas l'avoir tout de suite ? C'est ça moi la question que je vous pose. Parce que si ça se trouve en fait je peux même pas avoir la réponse tout de suite. Et du coup moi je sais pas hein. Là tu me dis oui tu peux, salut à toi, et après on me dit tu peux pas. Attends,
Là, il y avait un indice, là. Oh non, je l'ai ramassé, l'indice. Putain, fait chier. Chemin vers le mausolée. Voilà. Là, qu'est-ce que ça me dit, là? Est-ce qu'il n'y a pas un message, là? Les ancêtres qui reposent ici répondent à une heure choisie. Si tu cherches la protection divine, fais preuve de courage et ne crains pas les ténèbres. Je me rapproche pour voir si c'est écrit quelque chose, là. Bon. En fait, moi, la question que je vous pose, c'est est-ce que c'est un truc de l'histoire principale, là? Ou est-ce que c'est juste un bonus et c'est un cadeau bonus dedans? C'est juste ça, en fait, hein. Juste savoir si c'est un truc important. Si ça fait partie de l'histoire... Bon, de toute façon, regarde. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer les heures une par une. Une heure, non. Deux heures, non. Je fais juste le tour, s'il n'y a pas, c'est pas grave. On continuera et on reviendra plus tard. 4. 5. C'est pas une heure fixe, bah écoute, tant pis alors. On est dans la merde. Non mais écoute, si on a... Attends, si on a l'heure après, vas-y, on va continuer alors. Tranquille. Si on a l'heure après, on va continuer et on finira par tomber dessus. Donc, ici, qu'est-ce qui se passe? Allez, descends. Voilà. On est à 56 minutes. On va continuer encore un petit peu avant de couper l'épisode. Mais en tout cas, ouais, moi, pour l'instant, en tant que joueur qui n'avait pas fini le jeu de base, je trouve qu'ils ont fait un travail incroyable, hein. C'est quel plaisir de redécouvrir... Les Resident Evil en version remake, j'ai adoré faire le 2, le 3 je l'ai trouvé un peu trop court malheureusement. Oh! Non, j'ai cru que c'était une horloge. J'ai adoré faire le 2, notamment le 1 aussi, c'est une merveille. Bah écoute, il doit y avoir une salle secrète. Si on finit par tomber dessus, non ça sert à rien, je te remercie. Si on finit par tomber dessus, je finirai par avoir la réponse. Et si vraiment on bloque et qu'on n'arrive pas à avoir la réponse du tout... Là, je ferai appel à vous. Mais dans l'idée, voilà, si on peut l'avoir, let's go, continuons tranquillement. Mais voilà, vraiment, non, excellente saga. Le fait de les faire revivre comme ça. Faudrait juste qu'ils fassent un remake de Code Veronica. Et on sera très contents. Je tourne un peu en rond. Hein. Oui. Vous l'avez sans doute remarqué. Il y a un plan. Commence à l'utiliser, ça pourrait être déjà pas mal. Il y a un petit plan ici. Donc là, il me faut une clef. Ok. Elle a dit qu'il y a une salle secrète ici, je sais pas quoi là. À l'étage. Comment on va faire pour monter à l'étage? Peut-être en prenant des escaliers. Peut-être. Là, on revient dans cette salle-là. On n'est toujours pas avancé de ce côté-là. Donc, non. Il y a des escaliers en bas, là. Je les ai vus. Mais est-ce qu'ils sont cachés derrière une porte? Eh oui. C'est ça, la question qu'on se pose. On va voir ça tout de suite. Un peu relou, en tout cas, cette séquence. Parce que j'aurais aimé qu'elle ait un magnum entre les mains, tu vois. Là, on aurait pu s'amuser, quoi. Mais non. Ils ont décidé de lui donner une lampe torche, quoi. Très bien. Voilà, ici. Ah, ben voilà, putain. On se fait chier, là. On va essayer de bien regarder un peu partout. Oh, trousseau de clés. Et une horloge, là. Qu'est-ce que c'est que ces bruits? Le jeu vidéo. Bon, info sûre, on va revenir avec Léon. Léon! Oh, me dis pas qu'il y a des strums dégoûtants, là, qui vont venir nous emmerder. Oh, je vous en supplie, putain. C'est pas vrai. Elle
Attends. On arrive à les bloquer ? Freeze ! Non ! Freeze ! I say freeze ! Alors ça, c'est la bonne nouvelle, hein, par contre. Ça, je vous le dis, entre nous. Wouah ! Salut ! Putain, il y a un coffre, les gars. Il y a un cadeau. Il y a un cadeau bonux, là. On peut même pas le prendre. J'espère qu'on pourra le récupérer plus tard. Hein. Oh, les gars, on est dans la merde. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Attends. La clé, c'était où? C'était en haut. Allez, putain, pile dans la porte. I love this game. Je peux passer, s'il te plaît? Pose la question, hein. Je vois que tu ouvres les portes, très bien, mais tu nous emmerdes là par contre. Crac ! J'aime beaucoup l'idée en fait, de les freeze. Je pensais vraiment qu'on allait devoir les dodge entre les couloirs et tout, que ça allait être absolument insupportable. Mais en fait non, hein. Ah ! On va essayer toutes les clés. Tac ! Ça passe pas. Clé numéro 2. Parfait. Et là qu'est-ce qu'on a ? Un petit parfum. Bleu velours. Parfait également. Je crois que c'est vers le nord. Hein. Ok. Alors là-bas, il y a encore un petit cadeau là. Viens, on s'en fout ou pas? On s'en fout ou pas de ce cadeau là? Parce que là, on peut pas aller le chercher. Hein. Eh oui, on est complètement keblo là. On est complètement keblo. Crac. C'est moi le fou là. Hein. Ah oui, d'accord, donc en fait ça met des grands coups. Viens, on se casse, hein. Viens, on se casse, hein. Le fameux cadeau bonux. Oh, c'est la canne! Attends. Non, là par contre c'est super important ce que je vous demande. Là, la question que je vous pose c'est... Est-ce que je dois retourner tout de suite à l'horloge ou pas? Que là, je vois qu'on est en train de se casser, là. What? Attends. Non. Là, c'est super important, ce qui se passe. Là, j'ai l'impression qu'on prend un ascenseur et qu'on se casse. Est-ce que, si je me casse, ce sera trop tard pour les cadeaux qui sont là? Ah ouais, non. Parce que là, on aimerait bien, si possible, mettre la main sur tout. Hein. Parce que moi, j'ai l'impression que Léon peut revenir ici. Hein. Il y a une espèce de cube à mettre dans le mur, etc. Donc... Je comprends pas ce que tu veux dire, Darkman. Je capte pas. Tu veux que je les utilise, mais que je les utilise où, les clés? Parce que là, en vrai... Putain... Personne n'a la réponse, pour le coup. Si vous avez pas la réponse, tant pis, hein, on va continuer, et puis c'est tout. Hein. Mais là, j'avoue que là, on a vraiment besoin de... d'avoir tous les cadeaux, hein. Si possible, pour l'instant, on arrive à tout choper. On arrive vraiment à avoir tous les cadeaux. On a eu 100% des trésors de la zone précédente. Si on pouvait en faire autant ici, j'avoue... Léon, tu peux revenir? Ouais, mais ce que je veux vous dire, c'est est-ce que les cadeaux là qui sont là, est-ce que le code qui est ici avec l'horloge comtoise, est-ce que le cadeau qui est là, est-ce que le truc qui est là, c'est des choses... On pourra les choper avec Léon ou pas? C'est vraiment ça, moi, la question que je vous pose. Parce que sinon, on va revenir ici au niveau de l'horloge, etc. Tu vois. Moi, je veux vraiment pas louper les cadeaux. Hein. Ouais. On pourra revenir avec les cadeaux? On pourra revenir récupérer les cadeaux? Voilà, super, merci. C'est ça, moi, qui est le plus important. Hein. J'ai acheté RE4. Ah bah, de toute façon, si t'es fan d'RE4, ce serait dommage de ne pas en profiter pour se faire plaisir, quoi. Ce serait dommage. Parce que franchement, cool le jeu. Quoi? Ok. Ah oui, d'accord. Facile. Facile.
Pas sûr, moi j'ai trouvé l'énigme, mais ça veut dire quoi? Ashley, est-ce que ça va? Attends, je vais trouver une solution. Oui, oui, il y a des petites nouveautés. Hein. Donc là, on peut rien faire. L'emblème, la clé pour sortir de cet endroit maudit n'est autre que l'emblème des Salazar. Pour le trouver, je dois m'aventurer là où se trouvent ces satanées armures, le mausolée souterrain. Ô Seigneur miséricordieux, fais régner ta justice sur le vil usurpateur, ce monstre hystérique qu'est Ramon Salazar. Et que ta lumière bleue, bénie, protège ton fidèle serviteur. La clé pour sortir de cet endroit, c'est l'emblème des Salazar, qui se trouve dans le mausolée souterrain, et que la lumière bleue protège ton fidèle serviteur. Ok. Ok. Ah, il y a une horloge là, écoutez. Tic-tac, 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 tic-tac. Ouais, là, il est... Bah quoi, en fait? Je ne sais pas, en tout cas, c'est le moment parfait pour arrêter cette VOD pour YouTube. On se retrouve très prochainement pour la suite. Des bisous, bye bye.